Bonjour et bienvenue dans l'astrologie déchiffrée. Aujourd'hui, nous allons parler de la position de Chiron dans le signe des Gémeaux. À tout de suite. Donc, pour voir si vous avez cette position, vous allez repérer le signe de Chiron dans votre thème, c'est ce symbole-là comme une clé. Et là, nous avons le signe des Gémeaux. Donc, si Chiron se retrouvait ici, nous aurions eu Chiron en Gémeaux. Si vous ne savez pas comment retrouver cette position dans votre thème astral, envoyez-moi un message en commentaire ou bien sur Instagram. Chiron est un astéroïde qui orbite entre Saturne et Uranus. Donc, on peut dire qu'il représente les énergies de ces deux planètes, c'est-à-dire la restriction et la libération et la révolte. Chiron représente dans notre thème la vulnérabilité ou bien le mal ou bien la défaillance que nous avons ramené avec nous dans cette incarnation. C'est quelque chose que nous devons guérir dans cette vie et l'emplacement de Chiron dans le thème nous montre l'aspect concerné par cette guérison. Chiron est aussi appelé le guérisseur blessé. En mythologie, Chiron fut abandonné à sa naissance par Cronos ou bien Saturne, le père de Chiron. Le père de Chiron avait la réputation de manger ses enfants par peur qu'ils se révoltent contre lui une fois adultes. Et Cronos avait raison, car un de ses enfants, Zeus, s'est révolté contre lui et l'a renversé quand il a grandi. Donc, Cronos était à la recherche de Zeus et il tomba sur une nymphe et il voulut s'accoupler avec elle. Mais la nymphe ne voulait rien avoir à faire avec Cronos et elle se transforma en une jument pour pouvoir fuir Cronos. Et Cronos se transforma à son tour en un cheval pour s'accoupler avec Phylira. Et de cette union est né Chiron qui était mi-cheval, mi-homme. Chiron fut abandonné à sa naissance car il n'était pas 100% humain. Puis Apollon, le dieu de la lumière et de l'illumination, est apparu et il a pris Chiron comme disciple et il lui a appris comment faire beaucoup de choses comme la poésie, la musique, la médecine, l'astrologie, etc. De ce fait, Chiron est devenu un guérisseur, un enseignant ainsi qu'un prêcheur. Après ça, Hercule a commencé une guerre contre les centaures qui sont moitié homme, moitié cheval, et il a accidentellement touché Chiron par une flèche empoisonnée. Donc Chiron ne pouvait pas se guérir de la blessure de cette flèche, mais il pouvait guérir les autres. C'est pour ça qu'il est appelé le guérisseur blessé. Et comme Chiron était le fils de Cronos, il était immortel. Mais puisqu'il était blessé, il a demandé au dieu de le laisser mourir, car il souffrait à cause de sa blessure. Et de là est née la constellation du Sagittaire dans le ciel, qui est lui aussi mi-homme, mi-cheval. Donc Chiron, dans votre thème, vous montre le domaine où vous êtes le plus vulnérable dans votre vie. C'est comme une blessure que vous avez ramenée avec vous dans cette vie. Et le symbole de la clé signifie qu'une fois que vous avez guéri de cette blessure, vous pourrez ouvrir la clé et guérir les autres personnes. L'emplacement de Chiron représente aussi un blocage ou bien une restriction et un travail sur soi qui doit être fait pour se libérer de ce blocage. Le signe des Gémeaux est le troisième signe du zodiaque et c'est un signe mutable d'air. Signe immutable veut dire qu'il s'adapte rapidement à la situation suivante et signe d'air signifie qu'il est orienté intellect et échange d'idées. Le signe des Gémeaux est gouverné par Mercure, la planète de l'intellect et de l'intelligence. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et celle qui tourne le plus rapidement autour du Soleil, ce qui fait que le Gémeaux est très rapide dans sa manière de penser. Mercure gouverne les signes Gémeaux et Vierge, et leur cerveau ne s'arrête jamais de réfléchir, même quand ils dorment. Mercure est une planète neutre,
ni féminine ni masculine. Elle réfléchit de manière neutre et elle est bonne pour analyser les mécanismes et les systèmes et aussi l'analyse des tendances pour en extraire l'information ou la conclusion ultime. Le Gémeaux est jeune d'esprit et il représente la communication, tout type de communication, c'est-à-dire la communication liée au marketing, au journalisme, les médias, les discours commerciaux, les emails, l'écriture, etc. Le Gémeaux est sociable et il aime discuter avec les gens. La position du signe Gémeaux dans votre thème astral déterminera de quoi vous allez parler. Par exemple, Gémeaux dans la neuvième maison, celle du Sagittaire, vous allez parler de savoir supérieur, de spiritualité, de Dieu, du conseil utile et sage, des études supérieures, etc. Gémeaux dans la dixième maison, vous allez parler de carrière, de business, de comment gagner de l'argent, etc. Chiron en Gémeaux fait que la personne a des difficultés à s'exprimer et à s'affirmer, car il peut y avoir un doute ou bien une insécurité ou une incertitude dans la voix de la personne ou dans l'idée qu'a la personne de sa propre voix ou encore dans ce que la personne croit que les autres pense de sa manière de s'exprimer. La blessure de Chiron en Gémeaux est celle d'être mal compris et le fait de dire des choses et les gens ne vous comprennent pas correctement. Ou bien vous vous retrouvez dans des situations où vous n'arrivez pas à parler et votre voix n'est pas entendue par votre entourage. Ça peut signifier également que vos opinions et idées ne sont pas prises en considération. L'éducation primaire et du collège de cette personne peut avoir été difficile et la personne peut avoir eu du mal à apprendre à l'école. La personne peut s'être sentie étrangère dans sa communauté ou elle a été rejetée par ses camarades d'école et elle n'a pas été acceptée. Cette position peut faire que la personne peut avoir été maltraitée ou bien rabaissée par ses frères et sœurs. Comme Gémeaux est un signe versatile qui représente la variété, la diversité et la curiosité, Chiron peut faire que la personne a du mal à se concentrer sur un seul sujet à la fois et la personne sera plus indécise. Chiron en Gémeaux peut faire que la personne ne s'engage pas facilement et elle a pu avoir des difficultés dans sa respiration ou bien des maladies comme l'asthme. Car Gémeaux représente les poumons, les bras et les mains. Les bras et les mains peuvent aussi être affectés avec cette position. Donc la personne doit essayer d'être plus équilibrée dans ses activités et avec l'âge, la personne peut devenir un très bon orateur en public. Ou bien elle peut gagner sa vie grâce à la communication. Car la personne a été longtemps limitée dans son expression qu'elle peut décider de devenir quelqu'un qui est entendu et dont... Et donc la personne peut utiliser toutes les formes de communication pour transmettre son message efficacement et s'affirmer. Cette position peut faire que la personne a développé sa propre manière de communiquer et de parler. Et les gens ne vont pas bien la comprendre et lui diront souvent, de quoi est-ce que tu parles? Donc la clé pour guérir Chiron en Gémeaux est que la personne doit apprendre ce qu'elle fait de travers quand elle s'exprime et elle doit corriger sa manière de communiquer. Chiron en Gémeaux peut se manifester sous différentes formes. À titre d'exemple, la personne a pu grandir dans une famille où la voix des enfants n'était pas écoutée, ou bien les enfants sont réprimés et ils n'ont pas le droit de parler, ou bien de s'exprimer, ou bien d'exprimer leur volonté, et cela a pu affecter la personne et en grandissant, elle a gardé cette peur de parler et d'exprimer ses opinions. Cette position peut faire aussi que la personne a une curiosité sans limite et la personne peut mettre les autres mal à l'aise car elle est trop directe et elle leur pose des questions trop personnelles. Une autre possibilité de Chiron en Gémeaux est que la personne se sent stupide et bête, même si la personne est très intelligente. C'est-à-dire que la personne se sent stupide pour ce qu'elle dit et elle a peur de parler pour ne pas paraître non intelligente.
Donc, pour guérir cette position de Chiron, la personne doit apprendre à se débarrasser du besoin d'obtenir une réaction des gens à travers les choses qu'il dit et à travers sa communication en général. Dans le cas où la personne est mal comprise ou bien si les gens sont offensés par ce qu'elle leur dit, elle doit apprendre à identifier ce qui est négatif dans sa manière de communiquer et elle doit essayer de le corriger. La personne ici doit aussi essayer d'arrêter de se sentir stupide ou de croire qu'elle va paraître stupide quand elle va parler. Et elle doit commencer à se dire que c'est pas grave si les gens la prennent pour une personne stupide et elle ne doit pas se sentir blessée si elle est mal comprise, car tout le monde est mal compris parfois. Et enfin, la personne ne doit pas prendre trop au sérieux la réaction des gens quand elle communique et elle doit essayer d'identifier chez elle la manière cohérente de communiquer et elle doit essayer d'identifier chez les autres la manière cohérente de communiquer et de s'en inspirer. Et elle doit essayer de ne pas poser trop de questions directes et intimidantes. Et elle doit aussi apprendre quand poser des questions et quand ne pas le faire. Ce fut ma vidéo sur Chiron dans le signe des Gémeaux. Je vous invite à mettre un j'aime, contribuer et à vous abonner à la chaîne. À la prochaine.